Gusteron est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale des Sogiontiques, Sogionci, l'antique Ségusteron est, à partir de l'époque romaine et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Un pont pouvait d'ailleurs exister dès l'époque gauloise à cet endroit, où la voie héracléenne rejoint le territoire des Vaucons. Ce pont majeur pour toute la région lui vaut un rayonnement millénaire. Ce rôle conduit à des fortifications très anciennes et un évêché local dès le VIe siècle. Du point de vue administratif, la communauté se voit attribuer une charte consulaire au XIIe siècle, transformée plus tard en viguerie et district après la Révolution et fut souvent une frontière. Preuve encore, les frères pontifs d'Hospitaliers demandent et obtiennent leur rattachement aux Templiers. Avec la multiplication très récente des franchissements de la Durance, elle perd de son importance, et elle ne retrouve jamais son évêché après la Révolution. Il s'agit actuellement d'une petite ville industrielle et touristique, usine pétrochimique, et industrie gravitante autour des abattoirs. Sisteron se situe à 485 mètres d'altitude, sur les rives de la Durance, à 45 km de Fort Calquier, à 133 km de Marseille à 145 km de Grenoble et à 180 km de Nice. La ville occupe une position privilégiée, proche du confluent du Buech et de la Durance, à l'endroit où cette dernière franchit la cluse de la Baume, sur un site facile à fortifier. Le site de Sisteron est un site pont, le seul où un pont subsista de façon durable sur la Durance, de l'Antiquité au XIXe siècle. Surnommé la porte de la Provence, elle confine nos dauphinés. Elle possède de nombreux monuments, dont sa citadelle, face au rocher de la baume dont les strates sont presque verticales, une cathédrale du XIIe siècle, Notre-Dame des Pommiers, cinq tours, plusieurs chapelles et les vestiges d'anciens couvents. Sisteron est une ville qui accueille de nombreux touristes attirés par son climat méditerranéen, avec une moyenne annuelle de 300 jours de soleil, son patrimoine riche et varié, son plan d'eau, ou son aérodrome. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Sisteron est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Sisteron est également exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt. Les inondations, dans les vallées de la Durance et du Buèche, et les mouvements de terrain, quelques versants de la commune sont concernés par un aléa à moyen à fort. La commune de Cisteron est de plus exposée à plusieurs risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par route et canalisation, essentiellement pour alimenter en matière première, les usines Céveso, seuil Seuillot, appartenant aux sociétés Arkema à Saint-Auban. Et Sanofi assisteront. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille via Grenoble qui traverse la commune. L'autoroute A51 et les routes départementales RD4085, ancienne route nationale 85, et 4075 peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, deux canalisations transportent des produits dangereux dans la commune. Le gazoduc qui alimente le département en gaz naturel traverse la commune du nord au sud. La canalisation Transalpes sert au transport de l'éthylène venant de Fosse Lavera. Le deuxième risque majeur d'origine technologique est le risque industriel lié à la présence de deux usines classées Céveso, l'usine Sanofi au nord de la ville, classée Céveso, Seuil o, Le plus grand danger. Le plan particulier d'intervention de l'usine Sanofi englobe toute la commune. L'usine Butagaz, classée Céveso, avec seuil bas, et enfin, le dernier risque technologique, est le risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Assisteron, qui fait partie de la zone d'inondation spécifique, supérieure à la crue maximale de la Durance, elle aurait encore assez de puissance pour remonter dans celle du Buèche sur 12 km. Le centre de Sisteron, situé à 60 km du barrage, serait atteint en 2h17, mais l'eau continuerait de monter pendant 2h10, après l'arrivée de l'onde de submersion. Retenue par la cluse de Sisteron, la durance monterait au maximum 53 mètres au-dessus de son cours normal, soit une altitude de 513 m NGF. Au nord de la cluse, les quartiers de la Baume, des coudoulets, plan de la Baume et les zones industrielles seraient recouvertes de plusieurs dizaines de mètres d'eau. Au sud de la Baume, les hauteurs d'eau seraient moindres, atteignant les 486 mètres, soit plus de 20 mètres au-dessus du cours normal. Cela suffirait à toucher le lycée, la gare, et à recouvrir l'autoroute. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été prescrit en 2003, pour les risques d'inondation de mouvements de terrain et de séismes, mais le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1985 et 1994 pour des glissements de terrain, pour des inondations et des coulées de boue en 1993, 1994 et 2008, pour des sécheresses ayant entraîné des mouvements de terrain en 1989, 1999 et 2005. Dans la liste qui suit figure les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macro sismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune. L'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 31 décembre 1802, d'une intensité ressentie à Sisteron en et demi et dont l'épicentre était situé à Sisteron même. Le séisme du 19 mai 1866, d'une intensité ressentie à Sisteron 2 6, et dont l'épicentre était situé à la Motte du Caire. Le séisme du 23 février 1887, avec une intensité ressentie de 5, et Bussana Vecchia pour épicentre. Le séisme du 13 mars 1933, avec une intensité ressentie de 5, et un épicentre situé à Sisteron. Toponymie. Dans l'Antiquité, le nom de la ville est attesté sous la forme Ségusteron au IVe siècle, puis Civitas Ségesteriorum, Se ensuite Segisterico en 739, on trouve encore la forme d'Incomitatu. Sistericence au début du VIIIe siècle. Sisteron remonterait plus exactement à un type Ségusteron. Le nom de la ville est en accord avec la topographie et l'histoire, puisqu'à Sisteron siège une citadelle. La commune a longtemps été surnommée Roucha en Chabanaya, pour la roche embrumée. Histoire, Antiquité. Sur tout le territoire de la commune ont été faites de nombreuses découvertes archéologiques datant de la préhistoire et de l'Antiquité. La ville, appartenant probablement au peuple gaulois des Sogiontiques, Sogionci, cliente des Vocons, depuis toujours son importance de la traversée de la Durance, les Romains font passer la voie domicienne, via Domitia, qui reliait l'Italie à l'Espagne par le col du Mont Genève à Sisteron. Cette étape, mentionnée à cette époque, est notée sur les gobelets de Vicarello Ronéon, sur le premier. La ville est élevée au rang de civitas de la province des Alpes-Maritimes, entre le IIe siècle et la fin du IVe siècle et devient siège du diocèse de Cisteron au Ve siècle. Le premier évêque connu apparaît en 449. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde de Gondemar III, la régente Ostrogoth, Malazonte, lui rend ce territoire. Élément culturel très important, une charte communale consulaire fut attribuée à la communauté à une date antérieure au XIIIe siècle. Elle est confirmée par les comtes en 1212. Celle-ci préserve deux dominations seigneuriales, comporte des allégements fiscaux, établit un lien direct avec le comte en échange de fidélité et de mission particulière. Assisteront, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIIe siècle le testament par lequel il attribue le comté de Provence à l'une de ses quatre filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De la date les droits des rois de France sur la Provence. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Forcalquier au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence, elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la durance, c'est ainsi assisteront que l'on signale les premiers hommes en France, en 1425. La ville est le siège d'une bailli dès le XIVe siècle, érigée en vigorie précocement en 1480. Léguée en 1483 à Louis XI, la Provence rejoint le royaume de France. De 1562 à 1594. Les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Fort-Calquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents qui voient les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Sommerive. Lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père le comte de Tende, Pollon de Mauvan, Furmeillé et 5000 hommes. Les chefs protestants s'enfuient de nuit, et la ville est prise le 6 septembre, la garnison est massacrée et les protestants expulsés. Ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification d'Amboise, mars 1563, ils sont reconduits sous escorte armée par le comte de Tende. Gouverneur de Provence, et Paulon de Mauvent, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée, et prise par les protestants. Les catholiques Carcet et Sommerive échouent à la reprendre, mais les protestants le restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les Ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. Jean Sarrazin est alors chargé de renforcer la place et construit la citadelle actuelle 2589 à 1612 l'épidémie de peste 2628-1630 de touche Sisteron, apportée soit par un muletier transportant du chanvre soit par le régiment de Picardie la fosse contenant des corps passés à la chaude découverte en 1938 au pont du gourgnat doit dater de cette épidémie sur l'ordre de Richelieu le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France, et est enfermé en 1639 dans le donjon de la citadelle. C'est le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gourniard. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège d'une viguerie jusqu'à la Révolution. Alors que des émeutes avaient éclaté en mars 1789 à Sisteron, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobilières. Cette grande peur, venant de Talar et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, Atteint Sisteron et sa région le 30 juillet 1789 avant de se propager vers Digne. La ville, dotée d'une garnison, joue un rôle clé dans la solidarité qui s'organise alors, les communautés villageoises voisines se réfugient avec meubles et bétail dans la place forte, l'arsenal est mis à contribution pour armer les hommes et former une milice bourgeoise, bientôt renommée garde nationale. Elle fournit aussi des munitions à Manosque qui lui en fait la demande. Dès le 2 août, l'affolement retombe, l'effet divers à l'origine des rumeurs étant éclairci. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée. Les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique connaît de multiples rebondissements. Des émeutes sont provoquées par les royalistes le 17 mai 1792. Cependant, une part importante de la population soutient la révolution. Il y avait 137 adhérents à la société révolutionnaire en 1793. Un cercle d'opposition, Deus Providobi, se crée. Environ 40% de la population masculine fréquente la société populaire. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Comme de nombreuses communes du département, Sisteron se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en possède une seule, installée au chef-lieu. Comme la loi Fallou, 1851, l'y oblige, une école de filles est aussi ouverte. La commune profite des subventions de la deuxième loi d'Uruy, 1877, pour construire une école neuve. Sisteron comptait également une salle d'asile, école maternelle. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra elle cause 18 morts du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889 et devient propriété de la commune. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République recherche des yeux d'internement pour les indésirables. La municipalité de Sisteron propose la citadelle, où sont internés des prisonniers politiques, communistes, anarchistes, que le régime de Vichy maintient enfermés pour la durée de la guerre. Dans les années suivantes, 22 juifs sont arrêtés à Sisteron avant d'être déportés. Le 15 août 1944, premier jour du débarquement de Provence, les B-26 marauds des Français et des forteresses volantes américaines du 42e Bombardement Wing tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buèche et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le Wing de l'USAF. Forcé à une œuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes non larguées et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux et réussit cette fois à endommager le pont routier et surtout, à détruire le pont ferroviaire au nord de la ville. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite et la citadelle gravement endommagée, 100 morts, 30 disparus et 200 blessés. La ville est libérée deux jours plus tard par la task force du général Butler, 36e division d'infanterie US, venant de Riez. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gap et Aspre-sur-Buèche, libérée le 20. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la croix de guerre 1939-1945. En 1962. Un hameau de forestage est construit pour héberger les réfugiés arquis qui sont employés par l'administration des eaux et forêts. Lieux et monuments remarquables. Considéré comme exceptionnel, le site de la citadelle est classé dès 1925, sur une superficie de 7 hectares. Le classement concerne à la fois la citadelle, le rocher qui la porte, les bois et terrasses, et la perspective sur la ville et la citadelle. Architecture militaire. La citadelle de Sisteron, classée monument historique, est l'œuvre d'un précurseur de Vauban, Jean Hérouard, ingénieur d'Henri IV. De sa position élevée, on découvre un superbe panorama sur la ville et la vallée de la Durance. La tour de l'horloge servit de prison. La vue plonge sur la ville basse et se porte, au nord, jusqu'aux montagnes de l'Aupe et d'Aujour qui ferment le bassin de l'Aragne. Sauvé de la destruction par Prosper Mérimée, Cinq tours subsistent de l'enceinte construite en 1372-1373, arrondie vers l'extérieur et ouverte face intérieure de la ville, avec des portions de murailles, éléments classés monuments historiques. Ces cinq tours portent chacune un nom. La tour du fort au pied de la citadelle. La tour des gendarmes à proximité de la poste, la seule ayant été habitée et possédant un toit. La tour de la médisance à proximité de la cathédrale qui a conservé l'escalier intérieur qui donnait accès aux galeries de bois ours, prenant appui sur les corbeaux qui les couronnent et les brode aujourd'hui. La tour Notre-Dame, la tour de la Porte sauve, car cette tour juxtaposait la porte par laquelle s'enfuirent un millier de protestants en 1591. Architecture civile. La vieille ville compte plusieurs vieilles maisons, rue Mercerie, une maison au ogives minée et dotée d'arches brisées. Et dont les chapiteaux sont sculptés de motifs végétaux, 14e siècle. Quelques-uns de ces éléments sont inscrits, hôtel de la baume, reconstruit en 1946, conserve du début du 14e. Une baie géminée et un chapiteau, quelques maisons des 15e et 16e siècle. Dans la rue de la Pousterle, rue droite, une maison du début du XVIIe siècle à la belle porte sculptée. L'hôpital remonte à la création de l'Hospice de Charité en 1705 par Guillaume de Saint-Donat. Agrandi plusieurs fois, ses façades ont été refaites et ne présentent plus d'éléments d'origine. Ses façades et ses toitures sont néanmoins inscrites. Deux bâtiments témoignent de la prospérité de la Belle Époque la caisse d'épargne, l'avant-corps est orné d'un fronton brisé à ailerons brisés, entre lesquels est placé le blason de la ville. Il est surmonté d'une couronne et deux cornes d'abondance. L'immeuble Civate, place du Général de Gaulle, comporte de nombreux détails ornementaux soignés, moulures, sculptures, ferronneries. Le pont de la Baume est long de 40 mètres et large de 6, il repose sur une arche de 28 mètres de portée. Sa dernière reconstruction date de 1945, après que le précédent a été détruit par les bombardements alliés. Ce pont précédent datait 2365, réparé en 1501. Le 7 avril 1879, après une période de forte pluie, un mur d'une culée s'effondre. Les travaux durent jusqu'en 1886, et restituent un pont plus large et plus léger, avec des parties évidées. Il est également doté de fourneaux de mines, pour le saboter en cas d'invasion. Il remplaçait un pont plus ancien dont des traces subsistent. Le pont sur le Buèche, proche du confluent avec la Durance, date de 1727. Il est élargi en 1865 par des arcs en cornes de vaches sur les avant et arrière becs, puis en 1975 par une dalle posée en encorbellement. Il repose sur trois arches en plein cintre, de 22,8, 12 et 12 mètres, pour une longueur totale de 56 mètres, une largeur de 4,3 mètres à l'origine, 7,4 mètres en 1865, et 9 mètres actuellement. Ce pont remplace un ancien pont construit en 1202, et réparé en 1399. Le château de la Casette, à proximité de ce pont, au plan U, date de la fin du XVIIe, et succède à un ancien rendez-vous de chasse. Tout autour de la ville, on trouve d'autres résidences seigneuriales, le château de Sainte-Fémie, XVIIe. Le château de Beaulieu, le château de Servoul, le château de Hautrive, le château de Saint-Ursule, d'autres châteaux à Valerne, noyer sur Jabron et Valbel. Art religieux. Les ruines de l'ancienne chapelle, XIIIe siècle, dans la partie la plus ancienne de la citadelle, détruite par le bombardement allié du 15 août 1944 jours du débarquement de Provence, sont encore visibles. L'église Notre-Dame-des-Pommiers. Place Générale de Gaulle, l'église Notre-Dame-des-Pommiers, ancienne cathédrale, qui se rattache à l'art roman provençal, est remarquable pour son beau vaisseau très sombre, dépourvu de transept. Comme c'est fréquent dans les édifices provençaux, une coupole sur trompe s'élève à l'entrée du chœur. Cet édifice est classé monument historique. Outre son ancienne cathédrale, Sisteron conserve plusieurs chapelles sur sa commune ainsi que les vestiges d'anciens couvents désaffectés sous la Révolution. Chapelle, servant au culte ou ayant une autre fonction, Chapelle Saint-Marcel, à la baume, dont les parties les plus anciennes datent du XIIe siècle, classée Monument historique, Chapelle Saint-Dominin, XIIIe siècle. La nef est voûtée en berceau, le cœur voûté d'arêtes, avec une travée romane qui ouvre dans le cœur, à gauche, ce dernier élément est plus ancien, et date de la fin du XIe siècle ou du XIIe siècle, chapelle de l'ancien hospice de la Charité, dont le cœur est orné de fausses ogives, à but décoratif, 1713-1720, et de boiseries fin 7e ou début XVIIIe siècle, finement et richement sculptées, chapelle de l'ancienne résidence des évêques et de Sisteron, occupée actuellement par deux commerces. Vestiges d'anciens couvents, les éléments subsistants sont mentionnés entre parenthèses, couvent des Clarisses, ou abbaye Sainte-Claire, chapelle toujours liée au culte, couvent des Cordeliers, il n'en reste que le chevet plat du cœur, percé de trois hautes baies, une travée voûtée d'ogives, et deux arches ogivales, intégrées dans divers bâtiments, 13e et 14e siècle, place générale de Gaulle, couvent de la Visitation, ou des Visitandines, il reste la chapelle du 17e siècle abritant le musée terre étang et, et ancien bâtiment conventuel reconverti en maison de retraite. Ce bâtiment en rue, à deux étages, est construit derrière la cathédrale en 1631, il possède un cloître entouré d'arcades. L'ensemble est un monument historique inscrit, couvent des Capucins, quelques rares vestiges, couvent des Ursulines, maison d'habitation, couvent des missionnaires de la Croix, abritant l'école de musique. Couvent des Dominicains. Rue du Couvent, du Couvent des Dominicains, il reste l'église et les vestiges du cloître servant de cadre au festival des nuits de la citadelle. Fondée par la comtesse de Provence Béatrix de Savoie, sa première pierre est posée en décembre 1248, et la première messe dite en 1252. L'église est en très mauvais état après le siège de Sisteron par Sommerive, mais le service reprend en 1581 avant que l'église soit complètement réparée en 1684. Un bas côté de deux travées est ajouté à la fin du XVIIe siècle. Des importantes réparations ont eu lieu dans les années 1960. L'église, monument classé, est l'une des plus grandes églises gothiques du département, construite au XIIIe siècle, elle mesurait 15,5 mètres de large, pour 45 ou 47 mètres de long. La nef longue de 36 mètres et placée entre deux bas côtés, débouchait dans le cœur long de 11 mètres. Actuellement, seul subsiste le cœur, la dernière travée de la Nef, deux travées du bas côté nord, la façade occidentale et une partie des murs, ainsi que le clocher, de style roman.